Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa salam baraka ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui, je viens exclusivement vous parler d'un produit, je vous jure. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Même si c'est une collaboration et que j'ai le produit gratuitement, je l'ai testé, testé, testé. Ça fait au moins 3 semaines que je l'ai à la maison et dès que je l'ai réceptionné, je l'ai testé et j'ai fait que ça. C'était jour après l'autre. Voilà, j'ai fait que tester les recettes. J'ai testé plusieurs produits et tout et j'en suis vraiment bien contente. Et je peux vous dire que je suis contente de cette collaboration. Je suis contente de l'avoir reçue. Et franchement, bah, je vous dis, allez-y. Si vous n'avez pas de friteuse, si vous voulez manger moins gras, avec pas d'huile, avec plus d'huile et tout. Ou très peu, parce que vous pouvez mettre une petite cuillère par exemple pour certains aliments. Mais moi, j'en ai pas mis avec tout ce que j'ai testé. Je peux vous dire, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Allez, on va en parler là tout de suite. Voilà, elle est là. Voilà, je parle d'elle, de la friteuse de la marque Ultenic, la K10. Vraiment, 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 c'est un petit bijou. Alors j'en suis vraiment très contente parce qu'elle m'aide, je vous dis pas, quand je suis dans le speed ou pas, mais surtout quand j'étais dans le speed là, elle m'a bien 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 aidée. Ça va encore plus vite, ça cuit encore plus vite, hein, plus rapide qu'un four. Et je l'ai testé, je peux vous dire que oui, effectivement, ça cuit hyper vite. Vous avez juste ici 11 fonctions. Les voici. Et ici, vous avez les degrés. Vous pouvez augmenter ou diminuer. Et pareil pour la minuterie. Vous pouvez augmenter comme diminuer. Vous avez le Quick Warm. Alors là, cette fonction, c'est pour maintenir au chaud. Voilà, vous pouvez, dès que c'est terminé, vous pouvez appuyer et ça maintient au chaud. Si d'ici 10 minutes, une demi-heure, vous allez manger, eh ben, ça va garder vos aliments au chaud. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de réchauffer. Et ici, le prix HEAT, c'est tout simplement le préchauffage. Voilà les 11 fonctions juste ici. Facile d'utilisation. Vous avez juste besoin d'allumer comme ceci. Voilà. Et de choisir la fonction que vous voulez. Bon, moi, c'est évident. Mais on va dire que je vais faire cuire des frites. Regardez, vous avez déjà. C'est déjà programmé en fait. Vous avez les degrés et la minuterie a diminué comme a augmenté. Et pareil pour les degrés. Et hop! Voilà, il y a une fonction que j'aime bien aussi. Toutefois, vous voulez regarder si c'est cuit ou pas. Regardez. Vous ouvrez, ça s'arrête automatiquement. C'est une sécurité aussi. Bon, on veut remettre. Ça reprend automatiquement. Vraiment, c'est vraiment révolutionnaire. Ça va plus vite, beaucoup plus vite qu'un four. Voilà. Moi, je viens de l'éteindre, hein, comme vous voyez ici. Alors, cette friteuse sans huile, elle permet de frire, de cuire, de griller, de rôtir, de déshydrater aussi. Oui, vous savez, les fruits, vous pouvez les déshydrater et même de réchauffer. Elle va 4 fois plus rapide qu'un four. Elle a 11 programmes que vous avez ici. Je l'ai reçu avec un petit livret qui comporte 100 recettes. Voilà, vous avez l'application aussi. C'est une friteuse sans huile. Comme je vous ai dit, c'est une air fryer avec une rapidité, c'est-à-dire aussi, elle chauffe à 360 degrés. Voilà, vraiment 360 degrés, c'est-à-dire sur les côtés, le dessus, en dessous. Vous avez aussi une fonction, vous savez, quand vous avez vu ici les degrés, à un moment donné, il va avoir le check et ça va de toute façon sonner. Ça veut dire où vous mélangez, où vous remuez, où vous retournez. Voilà, elle-même est programmée pour, et elle vient vous le dire en sonnant. C'est une friteuse XL, 5 litres jusqu'à 1,2 kg. Voilà, le panier, le tiroir, juste ici. Sont amovibles. Voilà, c'est amovible, ça s'enlève aussi. Ouais, ça s'enlève. Voilà, ça va au lave-vaisselle et c'est un revêtement anti-adhésif. Et je peux vous dire que oui, parce que j'ai fait cuire pas mal de choses
à l'intérieur et ça a vite vite cuit et aussi vite nettoyé. Le nettoyage a été assez simple et j'ai pu aussi le mettre au lave-vaisselle. Voilà, c'est une friteuse assez silencieuse aussi. Bon, j'arrête de parler comme ça, je vous laisse avec les images et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Allez, il y a maintenant 3 semaines en arrière, j'ai reçu mon colis. Voilà, bien emballé, vraiment bien emballé. Vous trouverez bien entendu les notices d'utilisation à bien garder, hein, même pour tout article. Voilà, toujours conserver le petit manuel. Et bien entendu, toujours lire la notice d'utilisation avant même la première utilisation, bien sûr, comme je vous disais, pour tout produit. Ici, vous avez un petit livret avec 100 recettes. Voilà, vous avez vraiment de tout, du sucré, du salé, pour des desserts aussi, vraiment bien complet. L'inconvénient, parce qu'il y a toujours un mais, il est en anglais. Et juste en anglais, ça c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très très belles recettes. Moi, je comprends pas l'anglais. Il va falloir ou que je traduise ou bien que je prenne des cours d'anglais. Non, c'est ouais, c'est le petit hic, c'est dommage. Bon après, voilà, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et tout, mais quoi, qu'on comprend, je veux dire plutôt. Ah ouais, traduire, mais c'est dommage. C'est dommage. Moi, je pensais, en le feuilletant, je pensais que j'allais trouver un moment. C'était noté le français, mais non, c'était qu'en anglais. Alors bien emballé, bien emballé, ce produit, très très bien emballé aussi. Voilà, vous avez aussi une petite notice à lire aussi avant l'utilisation. Elle est de couleur noire, ils appellent ça doré, non, moi j'appelle ça plutôt bronze. Vous voyez sur les icônes. Et aussi sur l'écran tactile, sur le dessus et la poignée. Moi, je trouve que c'est plutôt bronze. Après, moi, voilà, elle est bien jolie. Je trouve qu'elle est bien. C'est les couleurs de ma cuisine, quoi. Moi, ça me va bien. Le panier est en revêtement anti-adhésif. Ça se nettoie les filles très, très facilement. Mais vraiment d'une grande facilité. Et ça va au lave-vaisselle. La panier est très facile à manier. Voilà, ici vous avez les 11 fonctions avec, comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez augmenter la minuterie et les degrés aussi. Le voici, le manuel d'utilisation. Alors, pour le coup, vraiment, je trouve qu'il est très très bien détaillé, bien expliqué à prendre connaissance, à lire, bien entendu, avant première utilisation. Je trouve qu'il est bien complet. Voilà. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite et qui est très très important et qui est notée justement dans ce petit livret, c'est que quand on positionne la friteuse et qu'on la met en marche, il faut laisser un espace d'environ 10 cm entre le mur et la friteuse, voilà, par rapport à la chaleur, vraiment. Faites attention, ne venez pas la coller. Hein. Moi, ici, elle n'était pas allumée. Mais d'ici, là, on ne voit pas. Mais il y a bien 10 cm. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va la mettre en marche. J'ai testé pas mal d'aliments, pas mal de recettes avec du sucré comme du salé. J'en suis bien contente. Hier encore, je l'ai utilisé aussi. Et vraiment, j'en suis que ravie. Alors. Il y a environ 2 semaines et demie ou 3 semaines, j'ai fait cuire des pilons de poulet. Je vous dis, hein, je l'ai bien, bien, bien testé avant de vous la présenter. J'ai fait cuire des pilons de poulet et j'ai pris la fonction aile de poulet. Et ben, écoutez, ça a bien cuit. À un moment, j'avais la fonction check pour retourner. Je les ai retournés. Ils sont dorés, mais ils sont bien moelleux à l'intérieur, bien, bien cuits. Voilà, si vous trouvez que c'est pas assez cuit, vous pouvez rajouter hein, du temps de cuisson, vraiment, comme vous le souhaitez. Ici, c'est des pilons de poulet que j'ai fait mariner, vous savez, dans ma petite sauce que je fais très, très, très souvent, avec des yaourts nature, de la moutarde, des épices. Voilà, que je laisse bien mariner. Et j'ai fait cuire dans ma friteuse et sans huile.
J'ai fait cuire aussi une semaine après, ou quelques jours, je ne sais plus, j'ai fait cuire des potatoes, des pommes de terre, d'une grande facilité. Je vous dis, ça va hyper vite. On n'a pas besoin de mettre dans la friteuse sur le feu, quoi, avec plein plein d'huile. On n'a pas besoin de mettre dans le four non plus. Alors moi, je trouve Le que ça gros sèche avantage avec vite, cette vraiment, quoi. friteuse sans huile, c'est Ça met que du temps c'est un petit peu sain. dans le four, parce Voilà, que c'est très d'habitude, facile à j'utilise le utiliser, four mais c'est surtout justement très très pour les sain et potatoes. très très bien pour la Là, ça santé. a été très À rapide. savoir C'était aussi qu'elle est bien silencieuse, moelleux à voilà. l'intérieur, Elle comme ne fait j'aime, pas et beaucoup de bruit croustillant et ça, à c'est très l'extérieur. Dès que j'ai agréable dans la terminé avec cuisine. potatoes, ça c'était jeudi dernier, hein. Dès que j'ai terminé, c'est pour ça que je vous dis, c'était un jour très très speed, très productif. Et j'ai arrêté avec les potatoes une fois que c'était cuit. J'ai mis dans la foulée le poisson pané. Et c'est dommage, je n'arrive pas à retrouver parce que j'avais fait aussi du poisson frais. Du poisson frais que j'avais acheté et que j'ai fait cuire dans la friteuse. Et je peux vous garantir que ça a été un pur délice et c'était super bien cuit. Le jour même, dans l'après-midi, j'avais fait des gâteaux. Voilà pour le goûter. C'est là une recette pardon, très 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 basique. C'est le gâteau yaourt que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Vous savez, en miniardise, façon financier, c'est exactement la même recette. Et ça a cuit vraiment très très vite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur l'écran, c'était écrit 30 minutes. Faites attention par contre, parce que je pense que les 30 minutes, c'est plutôt pour un gros gâteau. Voilà, parce que vous pouvez mettre un moule hein, de la même taille que le récipient de la friteuse. Moi, ça a été plutôt en individuel et ça a mis moins de temps. Les premiers gâteaux, c'est vrai, étaient assez secs. Mais on les avait déjà vite mangés. Les enfants, dès qu'ils sont rentrés, ils ont mangé. Bon, après, l'inconvénient, comme j'avais fait dans des moules individuels, j'ai dû faire quand même cuire 3 fois. Voilà. Mais après, j'ai su, quoi, la première fois quand j'ai vu que c'était assez cuit, j'ai baissé justement le temps de cuisson. J'avais mis simplement une dizaine, douzaine de minutes. Et ça a été très, très rapide, hein. Franchement, vous avez vu le résultat, ça a bien cuit. Quelques jours plus tard, j'ai fait cuire un demi-poulet avec des légumes, des oignons, des carottes, des pommes de terre, de la tomate. Et j'ai fait ça avec une charmoula, hein, c'est une marinade. Voilà. Alors, niveau légumes, ça a cuit, ça a pas trop cuit. Nous on n'aime pas les légumes trop croquants. On aime bien quand c'est bien cuit. Voilà. Par contre, le poulet était bien bien cuit et bien croustillant et franchement, ça a bien rôti. Voilà. L'inconvénient, c'est que les légumes, on a trouvé qu'ils étaient assez croquants. Les frites, j'ai testé les frites maison. J'ai pas aimé. Voilà, par contre, surgelé, ça a bien cuit et on n'a pas besoin de rajouter encore du gras. Voilà, regardez la circulation d'air rapide à 300 degrés. Voilà, et vraiment une bonne rotation, moins de graisse, c'est-à-dire plus sain, moins calorique pour nous et tant mieux. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai voulu faire une recette comme ceci. Ben moi, j'ai pas trop aimé, quoi. J'ai aimé parce que ça a bien cuit le poulet, il était bien croustillant, ça a bien doré. Mais niveau légumes, par contre, c'était pas ça. Et pareil pour les frites maison. Ben, j'ai pas aimé. Par contre, les frites surgelées, tout ce qui est surgelé, ça cuit hyper bien. Et ça cuit plus vite qu'un four, je vous le garantis. Et c'est pas aussi sec que dans un four. Ça garde bien le moelleux. Voilà pour toutes les explications. De toute façon, là, les images parlent d'eux-mêmes. Bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment un superbe produit. Je vous le recommande. Voilà. Je vous parle comme si je me parlais à moi-même ou à un membre de ma famille, à ma soeur, à ma maman. Je vous le recommande. Vous avez tout en barre d'infos. Vous avez mon code promo aussi qui vous donne le droit à 10 euros de réduction. Et voilà tout. Je vous ai, je pense, tout expliqué. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je trouve que je suis assez vraie de l'écran. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah.